Bampangi na munu ya Bandundu, Bampangi ya Kwilu, Bampangi ya Kwango, Bampangi ya Mai Ndombe, munu ke na kusenga na beno na kupona candidat na beto numéro 4 Martin Fayulu. C'est ici en clair et sans aucune autre comparaison l'image vedette de cette campagne électorale, l'entrée triomphale et inédite du candidat commun de l'opposition, le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, à qui quitte dans le Bandundu son fief naturel. Une démonstration de force, une gifle grandeur nature qui succède à d'autres succès populaires à travers la République démocratique du Congo, tout aussi phénoménal. Le soldat du peuple prouve une fois ici qu'il est de loin, non pas seulement le favori de tous les sondages sur papier, sur internet, mais aussi le favori sur terrain. Lui qui, il y a seulement quelques semaines, était toisé par certains camps qui le disaient sans aucune base. Les cartes ont été redistribuées, la démonstration faite. Le dimanche 23 décembre 2018, cet homme anti-poi, porté ici en triomphe par les siens, après que d'autres peuples de la RDC avaient fait la même chose, a toutes les chances, sauf sorcellerie, de devenir le prochain président de la République démocratique du Congo, celui qui devrait mettre un terme final et définitif sur les années pénibles à FDL. Ici, à Kikwit, comme partout où il est passé, le peuple jure de le porter à la magistrature suprême sans rien demander en retour. Lorsque Moïse Katumbi parlait de campagne à l'américaine, il ne pensait pas si bien dire. Corneille Nanga est averti, il devra être le plus sérieux du monde le jour où il annonce le nom du futur président de la République. Et ça ne peut, dans ces conditions, être que le numéro 4.